Et de retour à la forteresse, et j'ai un seigneur. C'est quoi ces bruits? Il y a une foule? Il y a foule? Non, c'est fini, je ne sais pas. Il y a un seigneur cruel qui m'attend, apparemment. Il demande audience à Kraken. Et Kraken est là pour toi. C'est toi, là? Auriez-vous un moment à m'accorder? C'est toi, le seigneur cruel? Attends, c'est une blague. C'est bien ça, hein? Visiteur maléfique, un cruel dirigeant du Nord. Mais regarde-toi. Ah, maintenant, t'es un nain. Ouais, bon, je te respecte. Mais pas trop, quand même. J'ai beaucoup entendu parler de vous, seigneur Kraken. Vous êtes une personne d'action qui sait obtenir des résultats. Si vous me le permettez, j'aimerais vous parler de quelque chose. Oh, il a une voix cruelle. Intendante, je vous recommande la plus grande prudence, monseigneur. Le seigneur Berwingar a la réputation d'être un homme violent, voire cruel. La voix douce de l'intendant résonne dans votre tête. De l'intendante. Très bien, je vous écoute. Allez, fais-nous rire. Prosterne-toi devant Kraken. Et explique-toi, pourquoi tu me déranges? En tant que maître de Caed Nua, vous avez sûrement eu votre lot de tribulions prêts à tout pour vous écraser. Des incidents se sont produits sur mes terres, des paysans se sont révoltés, et malheureusement, ils sont devenus incontrôlables. Ils refusent de travailler, menacent mes gardes, se disent maltraités. Ce n'est pas comme si je ne les payais pas. Quoi qu'il en soit, ils ne veulent rien entendre. La situation ne fera qu'empirer si je n'y mets pas un terme. J'ai peur que les choses dégénèrent. J'ai préféré venir vous consulter avant de tenter quoi que ce soit. Que disent ces paysans exactement? Oh, comme d'habitude. Benruga croise les bras. Qu'ils ne jouissent pas du fruit de leur labeur, qu'ils sont maltraités. Mais ce ne sont que des fainéants, monseigneur. Je peux filer de la thune pour qu'ils engagent des mercenaires. J'aimerais vous poser d'autres questions. Dis-moi en plus. D'après mon intendant, vous avez la réputation d'être un homme cruel et sans pitié. Brain Wigar serait dit, j'ai juste le sens de l'efficacité. Ces paysans doivent apprendre à rester à leur place. Oh, je peux le pendre. Non, on va pas le pendre. On va pas le pendre. Qu'est-ce qu'on peut faire? Je peux parler à mes compagnons. Alot, on peut se débarrasser d'Alot. Rôder au donjon de Brain pour prévenir son peuple. Prévenir son peuple de quoi? Non. Alot, j'en ai besoin, là. Attends. Accordez-leur votre miséricorde, seigneur Brunner. Soyez juste envers vos gens et ils vous le rendront bien. Essayez de trouver un terrain d'entente. Accordez-leur quelques libertés. Moi, je vais te pendre. C'est quoi, je vais te pendre? Je vais te pendre et puis c'est tout. Ah, je vais un peu le... Ah, je le provoque. Non, je vais pas le pendre quand même. Je vais lui faire comprendre que je veille au grain quand même. Ouais. Vous n'êtes qu'un homme mesquin et cruel qui ne mérite pas d'avoir un tel pouvoir. Comment osez-vous m'insulter? Vous qui n'êtes qu'un parvenu à la tête d'une vieille ruine, vous allez le regretter! Rouge de colère, Brain Rugard quitte précipitamment la salle. Fous-moi le camp, saloperie. Bon, mais Randeuil a pris un niveau. Zebudo, une très bonne nouvelle. Prendre un point. 9, ou un point. Non, même pas. C'est rien en fait. Ah, je prends rien. Un nouveau pouvoir. Et j'ai le droit aux deux. Coquille de stase. Tasse de protection sur les ennemis, d'accord. Pendant 27 secondes. Oh. Ah, c'est bien, eh. 27 secondes, c'est vachement long. Si Bellemi vole 50% de vitesse d'attaque pendant... Vol. D'accord, ça ralentit tout le monde. Pour accélérer ses propres déplacements. C'est énorme. Bon, je crois qu'il est temps d'aller tuer le maître des profondeurs une bonne fois pour toutes. Allez, c'est parti. On va se faire défoncer, ouais. Mais avant, le groupe passa une nouvelle nuit à Caed Nua. Puis le groupe se rendit dans les profondeurs des chemins infinis de Nua. 6 heures serait la durée de leur descente. Bon, voilà, le moment de vérité est arrivé. Alors, ça va être super chaud, vu le bestiau. J'ai pris peut-être 2 niveaux quand même depuis la dernière fois. Les marches devant lesquelles vous vous trouvez se sont écroulées, c'est dans la place à une fosse obscure. Vous allez devoir descendre prudemment et vous risquez d'avoir du mal à remonter. Je descends prudemment. Descendez prudemment le long du mur et des pierres empilées et parvenez finalement à rejoindre le fond. Y a pas une feinte là? Je vais tenter de la furtivité. Je vais tenter de... Attention.
Peut-être qu'on peut passer par le bas. Ah, on peut. Ah, oh, je suis un génie maléfique. Je sais pas quoi ça va me servir, mais... Si ça va me servir, parce que... Ah non, ça me sert pas. Ok, t'es déçu. Bonjour. Dragon d'Adra. Sous la lueur blafarde émise par la statue d'Adra, la silhouette d'un dragon émerge des ténèbres. Sa peau est recouverte d'Adra vivant et ses énormes articulations émettent une sorte de grincement semblable à celui qui pourrait produire des gros blocs de pierre. Le dragon s'étire et vous domine de toute sa hauteur, ses cornes se dressant telles des tours. Puis il baisse la tête et vous adresse un regard perçant qui respire l'intelligence. En gonflant bien la poitrine et en faisant beaucoup de bruit, on arriverait peut-être à l'effrayer. T'es marrant, toi, tais-toi. Vous voilà, quasiment au cœur du monde. S'ensuit alors une série de grondements et de sifflements cadencés, et le dragon se met à parler. Ses dents luisent, telles des lances d'ivoire. Vous avez fait un sacré voyage. Mais qu'est-ce qu'un dragon fait ici ? Je suis ici depuis le début. J'ai vu les Nguitan ériger leurs murs, modeler leurs grands titans. Elle lève la tête en direction de la statue. J'ai assisté à leurs derniers instants. Nous avons cela en commun, je crois. Vous avez de la chance d'avoir découvert des secrets si bien gardés. Elle pose ses yeux dorés sur vous. Mais cela va vous coûter la vie. Bon, elle parle de toute la lecture d'âme qu'on a fait au niveau précédent des chemins infinis, hein, bien entendu. Eh oui. Je crois que je vais rentrer chez moi, compter mon or. Alors c'est de vous qu'il parlait. D'une certaine manière, pensez à ces centaines d'âmes tuées par des xorips serviles ou dévorées par des trolls, fracassées contre des portes scellées, traînées en criant dans des fosses obscures par des araignées. Tout ça pour voir ce que vous avez vu. Une porte vers le passé, l'histoire d'un peuple déchu, les trésors hantés d'un roi fou. Le dernier monument d'un père désespéré, un vieil homme qui pleure dans le noir. Et tous les hommes et femmes qui périssent arrivent ici, jusqu'à moi. Oh, parlez-moi de cet endroit. C'est tout ce qu'il reste du plus grand désir d'un homme défunt, un grand monument, à moins que ce ne soit qu'un triste tombeau. Les griffes de la dragonne raclent la poussière. Le précieux fils d'Odnua n'est pas le seul à être enterré ici, il y en a beaucoup d'autres. C'est ici que convergent les veines d'Adra, avant de descendre dans les entrailles du monde. C'est ce qui vous attire tous jusqu'ici, mais c'est désormais inaccessible. Le sentez-vous maintenant que vous en êtes si proche? Cet appel à la transformation? Non. Non, ça va, moi. J'ai pris le contrôle de Kednua, je ne vous laisserai pas continuer à menacer le donjon, fouette Kraken! Non, bien sûr que non. Dites-moi, avez-vous descendu fièrement les marches de votre beau château, déterminé à sauver le monde? J'ai vu votre Kednua, je l'ai vu apparaître, disparaître et réapparaître. S'agit-il encore de décombres envahis par la végétation, ou en avez-vous fait autre chose? C'est magnifique maintenant, ne te rends pas compte. J'étais là avant que les Aédirans ne soulèvent la première pierre. Je suis plus vieille que les marches que vous avez empruntées pour arriver jusqu'ici. Je suis enchaîné à ce triste monument, et vous n'avez aucun contrôle sur lui, ni sur moi. Que... Mais personne n'était jamais allé aussi loin que vous. Je ne peux pas vous laisser partir. Surtout maintenant que vous avez vu cet endroit. Ne pouvons-nous pas nous quitter en paix? Vous dites que vous êtes enchaîné à cet endroit? Vous connaissez le pouvoir de l'âme. Tous ceux qui sont ici, vivants ou morts, le savent, sans nourrice et sans délecte. Je me suis d'abord nourri des esclaves d'Odnua. Puis en grandissant, je me suis attaqué aux titans et aux veines vivantes du monde. Au départ, ce fut une seule intelligence modeste. Mais ensuite, les voix de centaines d'âmes. Peut-être cela vous rappelle-t-il quelque chose? La statue survit, en partie, comme moi. Nous avons beaucoup changé, elle et moi. Elle lève ses ailes chargées d'Adra au-dessus de vous. On ne se nourrit pas des âmes de milliers de gens sans changer. Tu manges les âmes! Vous vous nourrissez de la statue! Avec la chute des Nguitan, la statue a accueilli les âmes des défunts de son époque, ainsi que celles qui ont suivi. La dragonne baisse ses ailes. Et en m'en nourrissant, j'ai acquis les pouvoirs et les connaissances de ces âmes. Chaque explorateur maladroit, chaque mercenaire et chaque aventurier, leurs âmes dérivent jusqu'ici et certaines se font capturer par ce qui reste du titan d'Odnua. Individuellement, chaque âme est insignifiante, bien sûr. Une goutte d'eau dans l'océan. J'ai pas cette perception, je suis triste. Que ferez-vous lorsqu'il n'y aura plus d'Adra? Tu vas mourir? Oui, que ferais-je? Devrais-je creuser pour accéder à la liberté? Suivre vos traces vers la surface pour quitter cet endroit? Un grondement retentit. Le titan n'est déjà plus ce qu'il était, mais j'ai encore quelques siècles devant moi avant que ce qui n'en reste ne perde ses pouvoirs. Je n'aurai alors plus de quoi me nourrir. Mais cela ne vous est pour le moment d'aucune utilité. Alors venez, espèce de monstre, votre tête fera un superbe trophée!
Nous en reparlerons peut-être lorsque vous aurez rejoint les autres âmes que j'ai dévorées. La dragonne pousse un puissant grognement. Très bien, allons-y. Les naseaux de la dragonne crachent des flammes et sa mâchoire ouverte émet une lueur pâle et inquiétante. Ouais. Eh ouais, un dragon d'Adra. Ouais, bah écoutez, pourquoi pas. Hein. Allez, on se met... Hop, on se booste tout de suite. Hein. Alors ce qu'on va faire, donc on va dégager tous les faiblards, entre guillemets. Hop. On va le prendre frontalement. Oula, qu'est-ce qu'elle fait là? Elle a une sale tête. Elle prépare quelque chose. Immunisé. Ah, ça commence bien. Ok. Il y en a qui bougent pas là. Il y en a qui bougent pas. Toi, tu bouges pas, je te vois. Allez, Alotte, bouge ton cul. Oh! Non, mais vous êtes sérieux là? Elle m'a déjà claqué mon équipe. Non, mais. Je suis pas d'accord. C'est une catastrophe, hein. Le combat va être tendu, hein, va être tendu du slip. Donc j'ai mis un petit peu les faiblards un peu plus loin. On va essayer d'invoquer des bestioles. Kraken, t'es au corps à corps, c'est bien. Voilà, donc là, voilà, ça commence mal déjà. Je me suis fait défoncer. On est par terre. Ah, ça va vite. Hein. Et elle est pas toute seule. Bon, non, elle est pas toute seule. Ah ouais, j'ai perdu tous les trucs que j'ai invoqués. Oh. Ah, mais voilà, je me fais étourdir. Mais c'est quoi ce souffle à la con, là? Mais vous êtes sérieux, les gars? Non, on peut rien faire. Non, mais écoute, on ne peut rien faire. Mais c'est insensé. Mais où va le monde? Tiens, je vais sauter dessus, ça va faire les pieds. Ah, d'accord. Grande prêtresse, elle va soigner, elle va être chiante. Ah, Kraken est là, Kraken est présent. Kraken est beau gosse. Oh, qu'est-ce que tu es beau gosse. Et je ne peux pas, du tout les ressusciter. Ah, puis je suis tombé. Ah, mais je peux rien faire. Mais vous déconnez ou quoi? Merde. Il se relève. Ok. Ah bah tout le monde est mort. Mais qu'est-ce que t'as fait encore? Dragon active coup de queue. Non mais sérieusement quoi. Pourquoi tu fais ça? Oh mais elle a tué tout le monde, même lui. Mais non. Oh putain. Comment veux-tu tuer ça? Oula! Oula, Kraken! Endurance. Oh, Kraken. Oh putain, ça a rien fait, second souffle. Waouh! Tu te soignes, toi, ou quoi? Tout le monde est par terre. Oh, j'ai envie de chialer. J'ai envie de chialer. Ah bah voilà! Ah, je me fais déglinguer dans tous les sens. C'est une catastrophe. En plus, je me demande s'il faudrait pas que j'ai Durance, le prêtre, pour booster un peu tout le monde. Je ne sais que faire. Bon, alors, ce qui se passe, c'est que... bah, c'est la violence, hein, en toute simplicité. Donc, on va prendre des potions. Il est temps de s'en servir, quand même. Mais c'est quand même la bonne grosse... violence, quoi. La violence dans tes fesses. Ah, pardon, c'est-à-dire que 10 secondes, ça? Putain, et ça veut dire combien de temps? 20 secondes. Qu'est-ce que c'est que ça? Suppression des afflictions. Bon allez, on va invoquer des bestioles. Histoire de pas être tout seul. Parce qu'en fait, lui aussi il a des bestioles avec lui. Ah, ce qui est un petit peu ennuyeux. Très ennuyeux même. Alotte, mon petit chaton. Alotte, reste calme. Alotte, est-ce que tu peux me faire... Bon, Alotte, c'est qu'il va se faire déglinguer. Je sais pas quoi faire d'Alotte, c'est quand même ennuyeux, c'est mon mage. Vous avouerez. C'est fort ennuyeux. Lui, il est immunisé à tout, hein. Terreur, machin, blablabla, renversement. Plus 20. Mais bon, t'as combien en robustesse? T'as 50 000, non? Ça fait quoi ça? Pétrification, paralysie, affaiblissement. Hein, je peux lui faire ça éventuellement.
Affaiblissement, tout ça. À voir. À voir, à voir. Bon, là, j'ai plein de bestioles. C'est une bonne nouvelle. C'est qui, ça? Je ne sais pas. Alors, on va enlever toutes les petites bestioles là-bas. Hop. Hop. Voilà. Est-ce que tu peux invoquer ton scarabée magique? Tu ne peux pas. Ok. On a trop de monde. C'est cela que ça signifie. Nous sommes trop nombreux. Nous sommes bien trop nombreux. Mais peut-être je vais la laisser à distance. Quoique la portée... non, autant prendre ton épée, hein, j'ai envie de te dire. Surtout que c'est l'épée quand même des chemins infinis, c'est un petit peu... une symbolique assez forte. Hein. Oh, tout à fait. Tu as pris ta potion, toi? Oui, tu as pris ta potion. Eh ben, prends-en une deuxième. Prends... contre les éléments pour son souffle. Ça me paraît pas mal. Faut qu'il attire la haine. Eder, faut qu'il attire la haine. C'est son but. Ouais, il a un peu un rôle de merde, j'avoue. C'est pas très sympa pour lui. C'est pas trop sympa pour lui. Vous sentez que je ne sais pas quoi faire? Ouais, bah c'est parce que j'ai peur, tout simplement. Voilà, je suis désemparé. Tellement je me fais défoncer dans tous les sens. Il y a combien de temps ça? En 20 secondes seulement. C'est pas beaucoup. C'est tellement pas beaucoup. Ah oui, à l'autre il va se battre. Ah oui, à l'autre t'es un agressif, c'est vrai. Bah écoute, hein, mettons préventif et recule. Recule avant qu'il ne te voie, pauvre fou. Mon Kraken t'a pris ta potion. Ah, regardez-la! Regardez la draganienne là. Tuons-la! Il faut la tuer. Rapidement. Alot, reste derrière, je t'assure. C'est mieux pour toi. Tu ne sais pas. Oh bah ça allait vite là. Ça fait zizir. Bon, et maintenant, parce qu'il y en a tout un paquet qui vont arriver. Voilà, les voilà. Ah, là il y a un souffle qui est parti et. Il a loupé? Oh, il a loupé. Oh! Ah, attention là, c'est peut-être la bonne. Après, je sais pas combien d'essais, une douzaine au moins. On va essayer l'orbe. Iravias, pourquoi tu es au corps à corps, toi? Parce que tu fais de la merde. Alors, hop, je te propose de faire des mouches. Parce que c'est du dégât brut. Et vu que la 106 en déviation, ouais, c'est pas mal, hein, c'est pas mal. Elle est insensible, aussi. C'est une femelle, hein, bien entendu. Elle est insensible à tellement de choses, en fait. Elle est insensible, à tout en fait. Pff, c'est une catastrophe. Elle est insensible à tout. Non, elle est insensible aux... que voulais-je dire? Aux éclairs, voilà, merci. Merci de votre aide. Insensible aux éclairs, ouais, comme ça. Allez, on va prendre un petit boost pour l'attaque. Sagani, qu'est-ce que tu branles là? T'es avec un arc. On recule. On recule carrément. Hop, hop, hop. Alors, attends, Sagani, on va la booster un petit peu. On va faire ça déjà, hop. Alors les gars, vous faites quoi? Vous êtes là-dessus, c'est très bien. Vous les guignols, là, vous faites quoi? Vous faites rien du tout. Kraken, il est temps de sauter. Si, tu sautes. Saute vers la liberté. Saute à tout jamais. Ennemi juré. Je sais même plus ce que ça fait. Ça fait combien de dégâts en plus? Plus 20% de dégâts, précision plus 15. Ah, donc, toi, Palégina, tu t'occupes que du Drake. Alors les noobs, on va en bas. Hop, tu vas en bas. Iravias, tu fais tes mouches, tu te dépêches s'il te plaît. Les mouches sont parties. Parfait. C'est qui ça? C'est bien, tout va bien. Calme-toi, c'est pas un de tes mecs. Ça va bien se passer. Est-ce qu'on ferait pas une petite boule de feu? Je sais pas s'il est immunisé au feu. Elle est immunisée aux flammes, d'accord. Bonne nouvelle. Bon, alors on oublie le flamme. Vent purifique. J'ai pas perdu un point de vie encore. Et c'est pas normal, hein. Ah non, c'est vraiment pas normal. Tempête de grêle. Dégage givron. Je sais pas si c'est résistant au givre. On va faire une petite tempête de grêle, ça va être marrant. Tu vas nettoyer les bestioles en plus. Plus vite. Alors Kraken, il veut sauter depuis tout à l'heure. Est-ce qu'il va y arriver? On ne sait pas. En tout cas, on mise tout sur lui. Scarabée des bois a quitté le groupe. Ça veut dire que... Est-ce que je peux faire un autre scarabée? Je ne peux pas. Pourquoi je peux pas? Mais j'ai pas le droit. C'est pas normal. Non, je suis outré. On va prendre une petite... peinture de guerre, s'ajouter de la précision et du dégât. Hop, c'est bon. Hop, tout le monde est mort. Qu'est-ce qui s'est passé? On ne sait pas. Allez, hop. 11-1. Ah, je crois que Kraken est tombé. Kraken est au sol. Non, Kraken est debout, tout va bien. Oh, tout va bien. Non, ça va pas du tout. Mais voilà. Oh là là. Alot a tué grand prêtre. Très bien. Alot, tu fais quoi depuis tout à l'heure? Est-ce que tu peux faire des sorts? Tu sais des sorts? Oui, bah, fais des sorts. Alors j'ai réussi à la mettre blessée une fois, hein. Eh, c'est mon record, blessée. Mais approche au procès soigné, je sais pas ce qu'elle a fait. En tout cas, c'était extrêmement pas cool. Hop, on va un petit peu essayer de l'encercler, même si je crois que ça sert pas à grand chose.
pour le style en tout cas. Elle marche toujours ta potion, toi? Image décalée, 24 secondes, mais carrément qu'elle marche. On refait ça. C'est quoi là, les trolls de trucs partout là? C'est moi qui ai fait ça? C'est la boule carbondie qui a fait ça? Sûrement. Sûrement. Iravias, est-ce que tu referais pas des mouches? Parce que t'as quoi d'autre? Concrètement, à quoi tu sers? C'est une vraie question. C'est pour jeter des crânes, ça? Pour jeter des crânes? C'est rigolo. C'est rigolo, mais c'est pas le moment de rire. Dégâts bruts. Ah, nanana. Affaiblissement, effroi, précision. Robustesse. Combien de robustesse? La 107. Bon, pas oublier. Et ça, ça fait des dégâts perforants. Et elle a 21 contre les perforants. Et contre les contondants, elle a combien? Tiens, c'est une bonne question, ça. Tranchant. Attends, c'est... Il y a tranchant et perforant. Ah, je découpe la vie. Bon, écoute, c'est quoi? Fais des mouches. T'emmerdes pas. Bon, il n'y a plus d'ennemis, là, en fait. Il n'y a plus d'ennemis, on dirait. Ça, c'est cool, là. Ok, peinture de guerre. Ouais, plus 10% de dégâts, endurance maximale. Ta-ta-ta-ta-ta. Ça fait quoi, ça? Ça fait des dégâts bruts ou pas? Perforant. Ouais, bon, on s'en tape. Eh, mais tu vas où? Mais... Putain. Ouais, mais voilà, vous faites n'importe quoi, les gars. Kraken. Kraken, mon petit chaton. Voilà, fais des trucs. Ok, Kraken est tombé. Il est mort ou pas? On ne sait pas, il est frénétique. Même dans la mort, il est frénétique. Même quand il dort. Ouais, il est frénétique tout le temps, en fait. Ça craint. Hop, on va prendre une potion de soin. Toi derrière, tu fais quoi? Continue à attaquer. À blesser. Ouh. Iravias, pourquoi t'es au corps à corps? On ne sait pas. Mais écoute, allez, fais-lui des lances dans le fion. Fais-toi plaisir. Voilà, voilà. Pétrification, ça sert à rien. Reflet ésotérique, ça envoie les sorts. On s'en tape. Putain, j'ai aucun sort niveau 5 qui va me servir. Quoi. Ah, faudrait à la limite que je parte et que je revienne, quoi. Et qu'un groupe un peu plus... Je peux faire ça pour lui virer des protections, par contre. On va essayer. T'as pris ta potion, Elder? Elder, il a pris sa potion, il est bien. Oh, si je pouvais le renverser, ce serait tellement drôle. Hein. Exposition des vulnérabilités, ça a marché. Ouais, bien. Ah, il est pas résistant au froid complètement. Hein, il a que 16. Il a que 16. Ah, Itumak, il est capote. Bon, Kraken est tombé, je crois qu'on peut le dire. Est-ce que tu pourrais le relever, Jacqueline? Allez, relève-le. Compte sur toi, Jacqueline. Et Kraken est de retour. Alors, Kraken, tu vas sur le côté. Hop, tu. Fais une petite frappe barbare, là. Qui a gravement blessé. Putain, on va l'avoir. Oh, c'est bon. Ne crions pas victoire. Mais en tout cas, ça se passe bien, là. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Ça fait plaisir, mais je ne comprends absolument pas comment ça se fait. Allez, tiens, mange. Iravias, tu fais rien. Refais des mouches. Il n'y a plus de mouches, ça fait des dégâts bruts. Si on veut la tuer, ça serait pas mal. Ouh la vache. Ouais, là, là. Ouais, bah, Iravias, il est tombé. Est-ce que tu peux le relever comme ça? Non, ça marche pas. Une fois qu'il est tombé, il est tombé. T'es triste. Et bien sûr. Et bien sûr. Et bien sûr. Toi, t'en es où, toi? Chagrin lié. Ah, t'as un chagrin quand Itumak qui tombe. Je ne savais pas. C'est bien. Enfin, c'est normal. C'est bien. Bravo. Bravo à toi. Reprends une petite potion de machin de guerre, là. Toi. Est-ce que ta potion marche? Bon, prends-en une aussi. T'en as pas pris, de toute façon. T'en as pris une autre. Donc, celle-là, elle est tout bénef. Reprends l'agro et derrière si tu peux. Ouais, je crois, démerde-toi. Trouve un truc pour que ça marche. Givrant. Bon, on peut tenter le givrant. Hein. On va tenter le givrant. Là, faut tout mettre. Faut tout lui mettre dans la tronche. Hop, toi, soigne-toi quand même. Oh la vache. Elle est tombée. Elle est renversée pendant 12 secondes. Ok, super. Proche de la mort, on va le tuer. On va te tuer. Mets-lui des trucs, je sais pas, faites n'importe quoi. Fais n'importe quoi, Kraken. Toi, Jacqueline. Jacqueline, fais... entrave, oui, bon, on s'en tape. Fais... Bah, tape, hein, écoute. On va faire... Ah, ça marche. Fais un petit scarabée. Un scarabée qui pue, parfait. Hop, hop. Par contre, si le scarabée tue le dragon, je vais être très énervé. Donc, tu évites... Allez. Hop, Palégina s'est relevé grâce à ses pouvoirs de paladine... de je sais pas quoi. Ou un objet, je sais plus. Peut-être ses bottes. Peut-être ses bottes qui font ça. Ouais, c'est bon. Kraken, il vend du rêve. Allez, hop, Palégina va te soigner parce qu'elle est sympa.
Eder. Eder, tuez-le là. Tuez-le, tu vois ça. Tombe. Allez, pourquoi tu t'approches? T'es obligé de t'approcher? Ok, ça a marché, t'as de la chance. T'as de la chance, ça. Mais reste pas là quand même. Ah, il t'a vu. Bah, c'est bien. Attire la haine, parfait. On est bien soigné comme ça. C'est bon ça. On va se booster. Bah, on donne tout, on y croit. J'ai mal. Toi, tu attaques ou pas, toi? Oui, tu attaques. Hey, Alot, il fait rien. Ça, c'est des dégâts quoi? Dégâts bruts. T'as des dégâts bruts, t'es sérieux? Certain. Tue-moi ça. T'as le droit de le tuer, je t'autorise. Putain. Qui c'est qu'il a eu? C'est Alot. J'aurais pas dû dire qu'il avait le droit de la tuer. Oh, c'est lui qui l'a tué. Ah, oh, c'est lui qui l'a tué. Ah, oh, c'est la honte extrême. Ah, bah, je l'ai eu. Ah, bah, je suis content. Ça s'est bien passé. Mais je trouve ça bizarre. Parce que franchement, c'était très, très, très dur. Le début du combat était tellement. Normalement, Eder, il aurait dû être à moitié de vie. Là, on dirait qu'il a dû esquiver le souffle. Je ne sais pas. En tout cas, ça fait plaisir. Le combat est fini. Vous pouvez revenir. Ouais. Allez. Oh, c'est bon, ça. Qu'est-ce qu'on va trouver? Qu'est-ce qu'on a trouvé comme objet de folie? Équerre de dragon, Adra, viande de dragon. Ouais, j'adore la viande de dragon. Ça donne de la puissance. Moi, j'en ai pris un petit peu pour le combat. Peut-être ça qui m'aide à gagner. Kraken, il avait mangé un petit steak de dragon avant. Yes. Il a dû sentir son haleine. Il a dû dire, oh non! Il mange les miens! Eh ouais! C'est comme ça. Ouais, je sauvegarde parce que là, si je meurs, je vais chialer. Ou si mon PC plante. Donc, la sauvegarde est faite. Le dragon d'Adra est battu. Le maître des profondeurs dans le cul. Eh, c'est très bien, et je suis bien content. Un gros orteil. L'ongle d'orteil en Adra est aussi dur et lisse qu'un grand bouclier dans l'acier. Oh bah, faut le prendre pour Eder. Ça lui fera un beau bouclier. Ah, il y a quoi dans cette zone? Il a bien un trésor, le truc. Allez, donne-moi un trésor. Dépêche-toi. 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 Oh, y'a rien. Pourquoi y'a rien? Pourquoi y'a rien? S'il y a la forteresse. Ah, s'il y a des pièces, là, j'ai vu. Ah, c'est bon, Durance a rempli sa mission, et il a ramené des gants de prêtre. Hein. Pas des gants de prêtre, hein. Un petit bonus. Oh, petit truc, un petit objet rigolo, quoi, qui va pas servir à grand chose, mais qui fait plaisir. Alors, oh, toutes ces pièces. Bon, je suis riche, là. Il y a pas de piège. Oh là là, toutes ces pièces. Est-ce qu'il va vraiment y avoir, des millions de pièces d'or? Je ne pense pas. On se fait toujours avoir dans ces jeux-là, c'est triste, hein. Vous enfoncez votre bras jusqu'à l'épaule sans parvenir à atteindre le fond du tas. Vous voyez, en plus, il nous allume, et là... Et là, ça va être le drame. Hein. Ou un bouclier. On verra après. 700. Oh, une épée. Une épée à deux mains. Hop. Un grimoire. Là, c'est quoi? C'est de la drap, ça? Adraban. Ok, ok. Oh, c'est quoi, ça? C'est quoi? Ah, une robe! Dégâts plus 10% quand une prière à revers. C'est un truc de brigand, ça, plus. On verra. 86. Vous voyez, là, l'argent, pour l'instant, on se fait 31. Ah, c'est de l'or. Oui, mais quand même. On se fait avoir quand même. Une arbalète. Bon, allez, arrêtez de vous mettre en... Vous êtes ridicule. Le dragon est mort, tout va bien. Argent et... Et un sceptre. Et on en a rien à foutre des sceptres. Vu qu'on a un truc qui rigole même pas. On va quand même comparer, hein. C'est tout? Eh ben... Y a rien d'autre. Tout cet or. Mais pourquoi? Oh... Y a rien d'autre. Bon, allez, on se casse. Ah, c'est pas fini. Il y a encore un cadavre ici. Et hop là. Un pistolet. Ouh. Bon. Bah, il y aura rien pour Kraken. C'est la tristesse. La drap est si lisse que vous sentez à peine les marques de ciseaux. C'est beau. J'aurais bien aimé. J'aurais bien aimé un peu plus de loot. Hein. Je suis un petit peu déçu. Vu la dureté du combat. Ça n'a pas dû se sentir qu'il était dur. Non, ça n'a pas dû se sentir du tout même. Mais il était dur, croyez-moi. Et croyez-moi. Enfin, comparé au reste du jeu en tout cas, parce que... J'ai passé d'une promenade à un blocage total, quoi. Et je pense que j'ai eu beaucoup de chance, là. Je vous dis, hein, je me faisais déglinguer, mais le combat durait... Il soufflait, je perdais 4 mecs, j'étais là... Et puis là, je sais pas. Ça s'est bien passé. Allez, Ravias s'est pris un petit niveau. Ah, c'est lui qui a récupéré l'armure tenue légère, là. Ah, c'est... Voilà, pas de commentaires. Non, non.
Les images parlent d'elles-mêmes. Alors, oui. Mais alors, tout à fait. Mais alors, carrément. Prends un point de survie. Mais t'es un druide, prends un point de survie, qu'est-ce que tu fais? Enfin. En sort maîtrisé, je lui prends propagation du fléau. Enfin, d'un fléau. Ça entrave, ça affaiblit, ça rebondit sur les cibles et tout, ça peut être marrant. Et j'ai des sorts. Résister à la tempête. Oh, pour résister à tous les éléments sur tous les amis. Une zone d'effet, c'est bon ça. Les déplacements rapides inoccupés du groupe sont remplis d'une extraordinaire nectar qui confère des bonus de combat et de soins. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ce truc cheaté? Endurance plus 12, nul. Tes attaques plus 1%, puissance plus 5, perception plus 100. Ouais, c'est pas mal, c'est rigolo. Appel des primordiaux, invoque vase noire, limon de marécage, vase de glace. Hop, ok. Des sorts étranges donc. Ah, et puis Durance aussi, il a pris un... Qu'est-ce que c'est que cette arme? Ah, mon dieu. Durance qui aura fait toute la partie habillé en clochard. Hein. Ah, on peut quand même... Il faut noter. On peut lui accorder ça. C'est pas rien. C'est pas donné à tout le monde. Alors, pour lancer un sort... Ah, ça c'est bien ça, je crois. Fais voir. Plus 20% de coups convertis en critique pendant 40 secondes. Ah, on va prendre ça. Avatar mineur. Jeteur de sort, d'accord. Il peut se booster... Résurrection, je dis oui. Tempête de feu sacré. Oh, je dis méga oui. Oh, c'est bon ça. Eh bien voilà. Puh. Bon bah il est temps d'attaquer la dernière ligne droite. Le parcours a été bien long. Bon Alot, j'ai décidé que je l'emmenais pas pour la quête finale. Non parce qu'il a quand même travaillé pour eux, même si même s'il est repenti, il savait pas. Je savais pas. Enfin bref, chialeuse quoi. Donc on ne l'emmène pas. Voilà, c'est comme ça. Et puis c'est pas autrement. Par contre, ce que je vais faire, c'est que j'ai tellement de thunes et tout, il serait peut-être temps que j'enchante des trucs. Ah si quand même. Bah si. Donc on va commencer. Je vais vous faire voir comment ça marche. Juste pour l'armure de Kraken. Hein. Le reste, voilà. Alors elle est quoi déjà? Elle est raffinée. Donc elle a le niveau de qualité minimum raffinée. Et je peux la rendre superbe grâce à Équerre Dragon à Dra. Ah bah d'accord, fallait que je tue le dragon, le maître des profondeurs pour pouvoir mettre ce niveau de raffinement. Et donc ça va me donner plus 6 réductions de dégâts. Je me pose que c'est ça, émeraude, une petite herbe, et 4500. Alors hop, et voilà, elle est superbe, Bled Golan est superbe, une superbe armure pour Kraken. Et maintenant je peux mettre des bonus attributs. C'est une bonne nouvelle. Donc j'ai déjà constitution et puissance, je suis déjà bien. On peut augmenter que 2. Donc je vais augmenter la détermination. Je crois que j'en ai pas. Enfin, je suis même sûr. Allez, détermination plus 2. Tac. Et on peut aussi l'imperméabiliser. Pendant l'épreuve des dégâts givrants, tiens. Ouais, Kraken, il n'a jamais froid. Sachez-le. Donne combien? Plus 3. Bon, c'est pas énorme. En même temps, ça coûte 100. Ah ouais, ça coûte que dalle. Voilà. C'était bien, hein? Allez, je sais que ça vous a plu. Donc, on va refaire le mérite des traîtres. La hache de Kraken. Qui est exceptionnelle. Et je peux la rendre superbe. Elle fera plus 4 de dégâts et 45%. Plus 45% de dégâts. Non, plus de précision et... D'accord. Mais faut quoi pour faire une légendaire? Œil de Kraken? Pfa! C'est pas vrai! Ah bah ça alors. Ah ça me la coupe. Ah c'est pour les extensions donc. Oh, c'est le destin, hein. C'est le destin. Bon en tout cas on va la faire superbe jusque là. Hein. De dragon céleste, ouais d'accord. Kraken avant tout. Kraken number one. Dégâts secondaires. Ce j'aurais dû le faire depuis longtemps ça. Brûlante, corrosive, électrique, givrante. Ouais. Mais des petits dégâts électriques. Ouais, comme ça, ça hérisse la crête. Ça explique pourquoi il y a les cheveux en l'air. C'est l'électricité. L'électricité statique. Ouais, on va prendre ça. Et mortel. Ah, on peut choisir un ennemi hominidé. Valeur d'enchantement maximum atteint pour. Ah, d'accord. Ah, il y a des trucs d'enchantement. D'accord. Alors, vaisseau, c'est les humains. Sauvage, bah, c'est les bestes. Ah, non, même pas. Sauvage et bête, c'est pas pareil. C'est incroyable. Primordial, blablabla. À prendre contre les bêtes. Kraken, c'est un chasseur. Voilà!
Et voilà. Et maintenant, il a un poignet foulé. Je me disais aussi, c'est pas beaucoup, 48. Regardez-moi ça. Ils sont dégâts plus 6. Pff, c'est un peu la folie. C'est la folie douce. Et l'arme, elle fait 26-37.